Depuis que dit Brésil, tout le monde est en football. Tout le monde est en pensée avec Pelé, Ronaldinho, Ronaldo et un paquet d'autres grands joueurs football encore qui étaient passés dans l'histoire football là. Et actuellement là, il y a un grand joueur brésilien qui a mené la sous-scène football là. C'est Vinicius Junior qui a fait un paquet de tolérance avec Real Madrid. Dans la vidéo, ça, je vais vous montrer 5 pays qui sont vraiment bon dans sport bien déterminé. Même gens, depuis dit Brésil ou dit football là, en met un paquet d'autres pays. Depuis cité dans c'est un autre sport qu'on dit. Monsieur certain, ça qui pourrait vraiment étonner dans la vidéo, ça, c'est Argentine. Grand pile monde qui pensait actuellement là, c'est football qui c'est sport qui dominant en Argentine. M'a dit non. Et dans la vidéo, ça, on va le compte pour qui ça. On allait très rapide. Avant nous aller plus loin, après vite, si vous abonnez sur la page là, fais ça, like vidéo ça et partagez le bail des trois amours pour que nous puissions passer un bon petit moment ensemble dans la vidéo ça. On allait très rapide. Nous commençons avec le premier pays qui c'est Argentine. J'aime te dire tout à l'heure. En bien, de pour parler des pays qui sont en Sud-Amérique, tout le monde toujours voulait faire référence avec le football. Puisque c'est un sport qui est vraiment très dominant dans Sud-Amérique. Surtout pour l'Argentine, lorsqu'on connaît son pays qui a naissance avec Maradona et surtout Lionel Andrés Messi. Ou t'as dit dans l'esprit que le football, c'est un sport qui est dominant en Argentine. En bien, non. Il y a un sport qui est vraiment dominant en Argentine, mais c'est un sport qui relé polo. Sport ça en Argentine c'est un sport qui très pratiqué et qui a des et des années qu'a pratiqué en Argentine. Comment il fonctionne? En mais c'est 4 nèg qui sous cheval et qui gon globe nan mel qui presque fait même j'avec globe ou qu'on wè nèg yo jouer golf là et qui gon petit ballon dans terrain qui même j'avec petit boule golf là tout. Chaque équipe yo a essayé marquer goal même j'avec football là mais seulement nèg ça eux même yo sous cheval. Histoire sport ça en Argentine nan mais c'est depuis nan fin 19e siècle côté que lorsque Colomb était débarqué en Argentine n'égote qu'on pratique sport ça surtout lorsque n'égote gain temps libre et depuis les ça tout venir était comme une tradition comme une coutume et il vient un sport qui très pratiqué en Argentine. Pour ça il y a un bagage qui caractérise non seulement faut gain bon joueur sous cheval là et faut que cheval yo tout yo bon yo en bonne santé et ça fait dans jour là Argentine c'est pays qui c'est plus gros exportateur de cheval dans tout le monde là dans ça qui gain rapport avec jouet ça ou bien sport ça qui c'est polo yo même fait il y a des chevaux qui sont même arrivés à vendre en Europe pour environ 100 000 euros. Il y a un cheval qu'on a vendu pour environ 100 000 euros pour aller pratiquer ce sport ça qui est le polo. Et même dans le football, là, ouais, Argentine a deux grands joueurs, deux grands noms qui n'ont pas capacité, non, qui c'est Maradona avec Messi actuellement là. En bien dans sport ça qui est le polo, en mais qu'on est qui très connu, qui c'est meilleur joueur sport ça, en mais qui est Adolfo Cambiasso. Nek ça c'est un mec qui était vraiment fort, qui était vraiment très compétent dans le sport sacré les polo. Il y a un grand championnat ou bien un grand événement qui est toujours organisé chaque année en Argentine qui est l'Open de Palermo. Lorsque il y a un grand championnat ça qui fait, en bien finale là toujours fait dans fin année en décembre précisément et dans un stade qui capable prendre environ 60 000 moun. Et stade là généralement toujours full moun yo vinn garder sport ça ou bien vinn garder finale en bien grand championnat ça qui fait pendant toute année. Oui, c'est vrai, football la ligue ont très grande influence en Argentine, grand pile monde qui aime football, mais sport ça que me saute présente là qui est le polo, non seulement c'est un sport qui gagne des années qu'a pratiqué en Argentine et jusqu'à présent son sport qui plus pratiqué par monde qui gagne l'argent, monde qui gagne chouchou dans mais c'est monde ça qui pratique sport ça parce que son sport qui gagne pile l'argent là-dedans et gagne pile argenté qui a joué en Europe, même j'en connais des gros l'argent qu'a brassé dans football là en mais qu'on gagne gros l'argent tout cas brassé dans polo et comme ça tout Argentine toujours vendre un paquet de cheval pour aller en Europe pour aller participer dans sport ça qui relé polo. Gan pile moun ki pa konnen non sport ça qui pa même penser que sport ça te existé. En même temps, oui, son sport qui très connu et son sport qui très populaire surtout en Argentine et Argentin est très bon là-dedans. Et Argentine participe dans paquet championnat mondial déjà et c'est un pays qui remporte plus coupe dans sport ça, il remporte environ 5 fois déjà. Jamaïque, Jamaïque sont une île dans le Caraïbe là là qui pas même 3 millions d'habitants et qui plus petit que Haïti qui gagne environ 10 000 km². Mais de pour dire Jamaïque c'est comme si tu dis athlétisme. Jamaïque yo bat en pile record dans sport ça qui relé athlétisme. Malgré États-Unis c'est seul pays dans le monde là qui gagne plus médailles passé Jamaïque yo, mais non Jamaïque aussi c'était plus dans sport ça que américain.
tellement yo bat record dans sport ça. Et une Jamaïque qui très populaire, qui très connu dans monde là et qui c'est nèg qui était plus rapide dans monde là, mais nous connaît qui c'est un Jamaïcain qui relait Usain Bolt. En 2009, il s'était battu un record. Il s'était couru environ 44.72 km par heure. Et depuis après date ça, il s'était vinn battre record comme nèg qui plus rapide dans monde là. Et en 2008, depuis avant ça, il s'était mis un record dans course à 100 mètres là, il s'était fait parcours ça dans environ 9 secondes 72. Après ça, dans l'année qui vient, yo c'est même encore battre record par là encore jusqu'à ce que li arrive battre record ça 8 fois affilée. Nous se fait course à 100 mètres là dans 9 secondes 58. Et depuis là ça pour que jambe gon moun dans monde là qui battre record ça qui fait course 100 mètres là à environ 9 secondes 58. Son bagage qui vraiment extraordinaire. Ça fait environ 6 ans depuis me c'est quitté sport ça, li prend retraite li, mais jusqu'à présent en mégé des records que me c'était metté dans sport ça pour que gen moun capable battre record ça. Yon nan bagay ki cause que Jamaïcain ou toujours bay grand athlète nan sport sa ki rele athlétisme nan, an men se ke se yon bagay depuis tout petit yo commencé fait. Depuis nan l'école primaire yo, tout petit yo commencé fait ti moun yo ap kouri, yo organiser championnat pou yo capable commencer kouri depuis bonnet. Et c'est ça qu'il faut pral wè pi devan, yo pral bay an paquet grand athlète et parmi yo nou konnen Usain Bolt ki se yon nan grand athlète Jamaïcain nan sport sa ki rele athlétisme nan. Iran c'est troisième pays qui m'a présenté. Debout dit haltérophilie, c'est comme si vous t'ai dit Iran. En bien, dans 76 médailles nèg yo prend dans Jeux Olympiques déjà, gen 20 là-dedans nèg yo prend spécialement dans sport ça qui relé haltérophilie. Haltérophilie lui-même c'est un sport côté que athlète yo là, yo vini pour capable soulever des poids lourds. Et poids lourds ça que a soulever a, mais c'est des poids qui plus passer poids corps. Son bagage qui vraiment difficile, mais Iran dans domaine ça nèg yo bon. Pile. T'es un Iranien qui rele Moradi, en ben monsieur était dans catégorie 94 kg nan, monsieur était battre un record dans catégorie ça, monsieur était soulevé environ 417 kg. Son bagay extraordinaire. Depuis jour ça, monsieur était battre record ça pour jambe gon moun qui levé quantité poids ça. Après ça, t'es vinn gon l'autre Iranien encore qui rele Rostami, monsieur lui était dans catégorie 85 kg nan, monsieur était battre record parce qu'il était levé un poids qui évalué à environ 167 kg. Après ça, un troisième Iranien encore qui mettait record dans sport sacré les haltérophilien, en bien c'est lui-même était dans catégorie super lourd, il était levé un poids qui était équivalent à 233 kg. Depuis après ça, pour que jambe gon moun qui bat record ça dans catégorie ça. En mais c'est Iranien qui a dominé sport sacré les haltérophilien. Depuis dit Iran, c'est comme sous t'ai dit haltérophilie. La Chine, de vous dire la Chine ou dit un paquet de bagay actuellement là dans le monde là. Mais dans la question sport, en mes sport qui ont dominé tout bon vrai, c'est tennis de table. En mes nèg yo très bon dans domaine ça. Yo prend paquet de médailles là-dedans et nous connaît la Chine son pays qui gagne plus moun dans le monde là. Yo gagne plus passé 1.4 milliard moun sur territoire paysan, en mais yo fait connait que gagne plus passé 10 millions chinois qui pratiquent tennis de table. Depuis là ont intégré tennis de table là dans jeux Olympique, à chaque fois que championnat sa gen Jeux Olympiques qui organisé, chinois ont toujours remporté médaille d'or dans sport ça. Et yon nan bagay ki avantage en pile, c'est parce que depuis tout petit yo commencé pratiquer sport ça. Dans toute l'école chinois yo gon série de grands espaces même côté que ti moun yo apprendre, yo entraîner depuis tout petit parce que c'est un sport qui pratiqué en pile en Chine. Chinois ont remporté médaille d'or dans sport ça déjà plus passé 32 fois. Et chinois qui n'est pas arrivé dans niveau qui peut aller représenter pays dans sport ça dans Jeux Olympiques en pile fois chinois ça ou même yo a joué pour l'autre pays. Yon nan bagay qui vraiment intéressant qui te passé dans l'année 2016 dans Jeux Olympiques qui te organisé a en bien te gen 38 chinois qui te participé dans Jeux Olympiques ça qui pas représenter la Chine. Yo te prend nationalité l'autre pays pour te capable participer dans compétition ça qui était Jeux Olympiques là et qui est arrivé très loin dans compétition. La Chine c'est un pays qui très bon dans tennis de table. Yo pratiqué le depuis tout petit et grand pile moun nan pays qui pratiquer tennis de table. C'est ça qui fait yo très bon là-dedans, yo bat record là-dedans, yo prend pile médaille d'or là-dedans. C'est ça qui fait dans domaine sport debout dit la Chine c'est comme si vous t'ai dit tennis de table. Dernier pays qui nous a présenté c'est Nouvelle-Zélande. Depuis dit Nouvelle-Zélande, c'est comme si on dit sport ça qui est le rugby.
Rugby c'est un sport qui besoin en pile vitesse et en pile force. En mais c'est ça néo-zélandais gain ou bien nèg ça relé kiwi. Nèg ça bon en pile dans sport ça, c'est spécialité pays ça qui relé Nouvelle-Zélande. Et une bagaille qui très important qui fait nèg très bon dans sport ça qui relé rugby, c'est parce que sport ça li plus ou moins fait partie des cultures nèg. Dans culture nèg yo gon sport yo kon pratiquer qui semble qui très similaire avec rugby. En mais c'est une raison qui fait nèg très fort dans rugby. Une bagarre encore qui fait pays sa Nouvelle-Zélande bon encore dans sport sacré le rugby, c'est parce que c'est un peuple qui sortit dans ensemble de guerriers. Naturellement, nèg yo costaud et nèg yo gen pile force. Ça fait ce qu'on regarde sport sacré le rugby lorsque Nouvelle-Zélande ou bien nèg ça pral jouer en partie avant partie a commencer, ou après nèg ça gon danse gon rituel yo toujours fait, c'est en mémoire des anciens guerriers qui sortit la caillou. En bien guerrier ça ont toujours gon équipe danse te kon fait, ou équipe rituel qu'on fait avant yon aller dans la guerre. En mené yon toujours kebe même méthode ça, et parce que son sport qui basé sur force, sur vitesse, n'a kebe même rituel ça. À chaque fois qu'on participe à commencer, n'a yon toujours fait danse ça, yon toujours fait rituel ça. Yon façon pour capable rendre hommage ensemble avec ancien guerrier ou bien ancêtre yon. N'a yon tellement bon dans domaine ça, yon remporté 3 mondiales déjà dans sport ça qui relè rugby. Debout dit Nouvelle-Zélande, c'est comme si vous te dit rugby. Nous arrivons à la fin de la vidéo, les amis. Monsieur, c'est certain que vous avez enjoyed cette vidéo ensemble avec moi. Vous avez liké, vous avez partagé et vous avez commenté, vous avez dit qui sont pensés des vidéos. Et je vous mets tout ma fond l'autre vidéo encore dans le même format ça pour vous présenter l'autre pays toujours, mais qui est bon dans un sport bien déterminé. Et une question pour vous avant nous aller. Si vous avez classé Haïti dans un sport, dans qui sport vous avez classé Haïti comme number one?